Hola! Putain, cet highlighter. Oh là là, cet highlighter. Oh là là, comment ça. Ah, comment ça brille! Ah, j'adore. Bref. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Kim K et Kanye West parce que, oui, ils divorcent. Aujourd'hui, j'avais envie de me mêler de ce qui ne me regardait pas et de le partager avec vous. C'est pas génial? Aura marqué la fin de l'émission culte Keeping Up With The Kardashians. Putain, j'ai une licence d'anglais, je parle comme ça. C'est triste, hein. Qui nous aura quand même servi pas mal de mèmes iconiques pendant des années, donc merci à eux pour ça. Et depuis la fin de sa télé-réalité, on a pu voir Kim K se concentrer sur ses business, hein, donc KKW Beauty, Skims, etc. Et depuis le début de l'année 2021, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi il y avait de l'eau dans le gaz entre Kim K et Kanye. Il y avait même une rumeur assez folle comme quoi Kanye West avait une liaison avec Jeffree Star. Oui, rien que ça. Tout ça parce que Jeffree Star et Kanye West sont à peu près sûrement les deux seules stars américaines à vivre dans le Wyoming. Donc évidemment, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Kim K, elle m'a tout raconté, c'est parti, on va en parler aujourd'hui. Personnellement, c'était pas vraiment un choc parce que depuis 2-3 mois, de toute façon, il y avait que des rumeurs comme quoi ça allait pas entre eux. Et ce qui a pu mettre la puce à l'oreille à pas mal de monde, c'était aussi le fait qu'ils aient pas passé les fêtes de fin d'année ensemble. Il y a Kim K qui l'avait passé de son côté avec Courtney à Calabasas, et il y avait Kanye qui l'avait passé, bon, allez savoir avec qui, dans le Wyoming. Apparemment, ils s'étaient déjà séparés depuis plusieurs mois déjà, et forcément, je me voyais pas parler d'un divorce sans un peu raconter la rencontre et le mariage, et comment tout fut beau un jour avant de se casser royalement la gueule. Hein. Alors, Kim et Kanye, ils se connaissent depuis super méga longtemps, je crois. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était vers 2002, grâce à la chanteuse Brandy qu'ils avaient en ami commun. Mais ils ont vraiment commencé à sortir ensemble en 2012. Askip Kim a commencé à fricoter avec Kanye alors qu'elle était encore mariée à son deuxième mari, Chris Humphries, voilà. Et donc évidemment au début, comme plein d'histoires, c'est trop mignon, il y a des papillons partout, des bisous partout, tout le monde il est content. Et du coup en juin 2013 naît leur premier enfant, Northwest. Suite à la naissance de leur enfant, quelques mois plus tard, Kanye demande la main de Kim K. Mais il a pas fait ça n'importe comment. Parce que pour demander Kim en mariage, il avait privatisé tout un stade à San Francisco. Ensuite, il s'était dirigé direction la France, où Kim avait fait son enterrement de vie de jeune fille à Paris. Et ils avaient même célébré leur fiançailles avec un petit apéritif dînatoire au château de Versailles. Puis, il s'était enfin dit oui en mai 2014 dans un château en Italie. Vous êtes jaloux ou pas? Parce que ça sent le conte de fées, ça pue le conte de fées quand même. Avec tous ces châteaux, et puis ces pays européens quand t'es américain, bon voilà, c'est... Mais évidemment, qui dit mariage de star de conte de fées, dit contrat de mariage. Bah oui, parce que quand t'es pété d'oseille comme ça, c'est toujours plus safe de signer un contrat de mariage au cas où, bon bah, divorce, hein, comme pas mal de gens, même pas besoin d'être une célébrité pour divorcer. Maintenant, plus personne s'aime pour la vie, de toute façon. Tu m'aimeras pour toute la vie? Oh, oh, mais c'est trop... Canard. Et leur contrat de mariage, il est plutôt ultra intéressant. Parce que ça ressemble plus à un contrat pour un partenariat business que pour un mariage. Mais normalement, dans leur contrat de mariage, il y a quand même écrit que pour chaque année mariée ensemble, Kim reçoit de la part de Kanye 1 million de dollars. Avec une limite maximale de 10 millions de dollars, quand même. Donc comme Kim a demandé le divorce à un peu moins de 7 ans de mariage, elle devrait normalement recevoir de la part de Kanye 6 millions de dollars. Une autre condition qu'on pourrait trouver bizarre, si on n'était pas des stars, c'est la clause qui concerne les enfants. Apparemment, Kim aurait reçu 3,4 millions de dollars par enfant. Donc elle avait tout autant intérêt à en faire 4, hein, clairement. Mais il y avait aussi la clause comme quoi si Kanye la trompait, eh ben il aurait dû lui verser 7,5 millions d'euros. Donc clairement, avec une somme pareille, tu réfléchis à deux fois avant d'aller voir ailleurs. Là, j'avoue qu'on a l'impression que c'est Kim qui profite de toutes les clauses du contrat de mariage, mais Kanye avait aussi les siennes. Et quand on voit ce que c'est, on peut se dire que Kanye, bah, il avait bien gardé en tête que ça allait être le troisième mari de Kim. Si Kim demandait le divorce dans les 3 premières années de leur mariage, elle n'aurait pas pu toucher un seul centime de la fortune de Kanye West. Et à savoir que s'ils ont fait un contrat de mariage, bon, c'est aussi parce que c'est des stars, mais c'est aussi parce qu'ils résidaient à l'époque tous les deux en Californie. Et dans la loi californienne, si tu te maries et que tu décides de divorcer, eh ben, ton conjoint peut très bien prétendre à la moitié de ta fortune. Toute ta fortune. Divisé en deux, c'est pour lui, ok?
c'est quand même énorme. C'est pour ça qu'il est plutôt encouragé là-bas de faire un contrat de mariage pour pas se retrouver avec moitié moins d'argent à la fin de ton divorce. Et bon, heureusement pour eux, apparemment, il n'y a pas eu de tromperie, donc il n'y aura pas 7 millions et quelques à verser à je ne sais qui. Et cette histoire, c'est quand même assez dommage parce que pendant longtemps, Kim Ka et Kanye, je les trouvais ultra mignons. C'est vraiment un couple de stars assez exemplaire dans leur façon d'être en public, etc. Qui arrêtaient pas de pondre les bébés les plus beaux du monde et qui étaient sur le point de conquérir à peu près bah, toute la planète. Sauf que ce serait sûrement une des raisons de leur divorce. Parce qu'il faut pas oublier qu'en 2020, Kanye s'est quand même présenté aux élections présidentielles des États-Unis d'Amérique. Et donc, par la même occasion, aurait humilié Kim Ka. Et le truc, c'est que lors de son premier rallye pour sa campagne présidentielle, bah, il a quand même fondu en larmes. Il a même raconté que Kim et lui ont failli avorter de leur première fille North, en disant qu'ils avaient failli tuer leur fille, que vraiment c'était horrible. Et je pense que ça, du côté de Kim, ça a pas dû trop passer. Parce qu'on voit bien que pour cette femme, c'est l'apparence qui compte. Elle veut vraiment se donner une image de meuf qui contrôle tout et qui est en haut d'un empire. Et donc si ton mec qui se présente aux élections présidentielles, son premier rassemblement, il fond en larmes et il a l'air d'être au bout de sa vie, bah clairement, sa campagne présidentielle, ça devient clairement une blague en fait. Non mais en plus j'avais déjà vu des interviews de Kim où elle fait souvent référence au fait que devant les caméras faire attention à ce que tu dis parce que leurs enfants ou leur famille pourraient tomber dessus même des années plus tard. Par exemple comme quoi elle aimait pas clasher Black China, son ancienne belle-sœur, parce que c'est quand même la mère de sa nièce et elle voudrait pas que sa nièce tombe un jour sur une vidéo de sa tante en train de clasher sa mère. Et donc là je pense qu'elle a dû se dire ok si North plus tard tombe là-dessus, ouais bon bah moyen en fait quand même, difficile de parler de ça avec son enfant. Et bref, après toute cette histoire, il y a eu de plus en plus d'articles qui parlaient de la bipolarité de Kanye. Et en même temps normal parce qu'avec ce genre de comportement, on peut pas oublier le fait que Kanye souffre de bipolarité. Et suite à cet épisode, Kim s'était exprimée sur Instagram pour parler justement de la bipolarité de Kanye. Et dans son message, elle disait comme quoi la bipolarité justement de son mari pouvait être très difficile à comprendre parfois, que c'était quelqu'un de très intelligent mais de compliqué, et que parfois ses mots ne seraient pas en accord avec ses intentions. Et c'était la première fois qu'elle s'exprimait ouvertement et publiquement sur la bipolarité de Kanye. En même temps, normal, et elle aurait dit que c'était parce que justement, elle était très protectrice de ses enfants, et surtout qu'elle voulait respecter l'intimité de Kanye vis-à-vis de sa santé mentale. Et donc, ce serait à partir du coup de ce moment-là, du pétage de plomb de Kanye, de tout ce genre de choses, qui sont arrivées autour de juillet 2020, où là, ce serait clairement dégradé entre les deux et ils auraient décidé de se séparer car ils seraient séparés depuis plusieurs mois déjà. Et il y a même des photos qui datent du 27 juillet où des paparazzis ont pu les voir je pense littéralement s'engueuler dans leur voiture. Et en vrai on peut penser ce qu'on veut des deux, mais voir ce genre d'image, moi ça me fait de la peine perso. Parce que voilà c'est quand même un couple qui a vécu une dizaine d'années ensemble, ils ont quand même 4 enfants ensemble. Et donc forcément, les séparations, c'est toujours très difficile. Apparemment, ça a été assez difficile pour Kim, dernièrement, de officiellement demander le divorce, même si ça faisait plusieurs mois qu'ils n'étaient plus ensemble, parce que d'officialiser la chose, bah forcément, d'après certaines sources, bah ça l'aurait beaucoup affecté. Mais Kanye serait beaucoup affecté lui aussi, parce qu'apparemment, il aurait toujours considéré Kim comme la femme de sa vie, même avant qu'ils soient ensemble apparemment. Et juste avant ça, déjà le 22 juillet 2020, je crois, Kanye avait publié un tweet où il faisait référence à sa belle-mère Kris Jenner en l'appelant Kris Jong-un, en référence à Kim Jong-un, le dictateur de Corée du Nord. Donc on peut vraiment se dire que juillet 2020, ça allait vraiment pas bien pour le couple et on peut supposer que c'est à partir de là qu'ils ont décidé de mettre un terme à leur relation. Apparemment, Kim aurait demandé le divorce car Kanye ne serait pas assez prêt à faire des efforts et à faire ce qu'il faut pour sauver son mariage. Mais il n'y aurait pas de gros drama, personne n'a trompé personne. Personnellement, je pense que c'est juste au bout d'un moment, bah, Kim elle voit Kanye qui est un peu indomptable, qui est un peu tout foufou dans ses délires à vouloir déménager dans le Wyoming, à pas prendre de traitement pour sa bipolarité parce que justement c'est un artiste et voudrait pas que les médicaments nuisent à sa créativité. Voilà quoi, je peux comprendre que c'est ultra compliqué de devoir être marié à ce genre de personne, à ce genre de personnage. Après normalement on devrait pas avoir trop de guéguerre au niveau du divorce et des biens. Kim réclamerait juste la maison qu'ils ont qui vaut à peu près 40 millions de dollars à Calabasas parce que c'est là où vivent les enfants, où ils vont à l'école, etc. Et donc elle a pas envie de les déraciner de tout ça. Après à savoir que le couple a quand même dépensé 20 millions de dollars pour refaire la maison, la rénover, la mettre à leur goût. Donc allez savoir si Kanye va décider de se battre avec Kim pour cette maison, franchement ça m'étonnerait. J'ai l'impression que c'est un divorce qui se passe plutôt bien et tant mieux pour eux. Ouais non franchement moi perso j'ai l'impression que c'est juste bon bah voilà, Kim qui est plus trop chaud à être à fond dans le mariage parce qu'elle voit bien que Kanye il pense un peu qu'à lui par moment. Bon, après avec la bipolarité ça peut être compliqué mais qu'il est pas forcément prêt à faire des efforts pour eux en tant que famille.
Et pour ce qui est de leurs enfants, normalement, ne devrait pas avoir de guéguerre au niveau de la garde. Kim demande une garde partagée. Et apparemment, la bipolarité de Kanye ne serait vraiment pas un problème vis-à-vis de la garde des enfants. Et notamment parce que leur train de vie fait que Kanye est rarement seul avec ses enfants. Il y a souvent une nounou ou quelqu'un, un assistant, enfin bref, quelqu'un pour être là avec les enfants et avec les parents ou lorsqu'ils sont seuls ou quoi. Donc apparemment, ça devrait vraiment pas être un problème. Et tant mieux parce qu'en vrai, ils ont des enfants assez jeunes. North, l'aînée, elle a juste 7 ans. Donc je pense malheureusement que la santé fragile de Kanye, qui lui aura déjà valu de nombreuses frasques, hein, aura sûrement eu raison cette fois de son mariage et que Kim a sûrement dû perdre patience. Donc ouais non, franchement ça fait bizarre de voir un couple comme ça, iconique, se séparer. Parce que pour moi en vrai c'était comme Jay-Z et Beyoncé, genre c'est un couple tellement puissant qui est là depuis quand même pas mal d'années. Voilà, t'es habitué à les voir, tu les vois fonder une famille, relations parasociales, tout ça, tu coco. Et donc ce serait quoi la suite pour les deux? Bah je vais pas mentir, je suis une grande fan de la musique de Kanye West, donc s'il nous sort un album ultra touchant, cœur à vif, etc. Moi je serais la première à l'écouter avec grand plaisir. En vrai je vais pas vous mentir, j'ai beau kiffer les artistes que j'écoute, des fois quand j'en attends qu'il arrive un truc pas ouf à un de mes artistes préférés, je suis là en mode oh non. Mais l'album va être plutôt pas mal. Et pour ce qui est de Kim K, normalement l'année prochaine, si tout se passe bien, elle sera diplômée en droit, car elle aimerait bien réformer le système judiciaire américain, donc ce qui est plutôt pas mal. Et en plus avec tous ses business, KKW Beauty, Skims, etc. Franchement, elle a du taf, donc je pense qu'elle va surtout se concentrer sur ses business, sur son diplôme. Et pourquoi pas, si vous followez Kim K, on va peut-être se rendre compte qu'elle poste de plus en plus de photos en mode « Ouais, je suis célibataire, quoi !» parce qu'elle a raison, et en vrai, vu la meuf que c'est, je pense qu'elle galérera jamais vraiment trop à trouver un boug. Donc voilà, c'était histoire de faire un petit point people. Moi, j'avais envie qu'on parle de tout ça, parce que des fois, j'aime bien parler des gens que je connais pas. Et parce qu'en même temps, Kim, elle est dans ma life depuis tellement longtemps que je connais tellement sa vie que j'ai un avis dessus. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo potin, elle t'aura plu, que t'auras fini ton deck, il était bon. N'hésite surtout pas à t'abonner si c'est déjà fait. Franchement, merci, vous me faites trop plaisir. C'est comme ça que vous soutenez ma chaîne et c'est comme ça que du coup, moi, ça me donne encore plus envie de faire des vidéos. Donc vraiment, merci beaucoup. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien, bien, bien soin de vous. Prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous embrasse fort. Plein de bisous. Salut. Ciao.